Salut à tous, c'est DemonSlash, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la coop Total War Warhammer 3 en compagnie de Monsieur Voltaire. Yo. Alors, où en étions-nous, Monsieur Bête? Eh bien, ça allait être dans quelques instants l'attaque massive sur les Contre les nains. nains, oui, effectivement, je me rappelle. Parce qu'on avait tout simplement enculé Les nains. Gros Massec. Ah oui, c'est vrai, On de va passer le être très tour. clair. De passer le tour, je crois. Grom s'est fait tout simplement déchirer les fesses la dernière fois. Il a pas survécu au stream, c'est aussi simple que ça. C'est combien max par combat de troupes? Enfin d'armée, pardon. 40 chacun ou alors 4 à toi. Ah ouais, donc c'est 40 chacun, donc ça veut dire 20. Ouais, donc c'est du 80 alors. Yes. Ok, donc bah là on a. Eh ben c'est bon, on fait les 2-2 qu'on a déjà là alors. Ouais, on va faire les 2-2 et puis le reste, on va aller dans les montagnes. Je vais envoyer des troupes aussi. Je vais envoyer des troupes là aussi parce qu'il y a quelques vilains. Ouais. De toute façon, moi je Je savais relaisse ça, je pas. Ouais, retourne j'étais en train de recruter une toi. armée là-haut. T'as Qui allait être finie en deux des vieux tours. rebelles là-bas, c'est vrai. Ouais, mais les rebelles Skaven, c'est gênant ça. Ça donne quoi les armées là-bas? Ouais, là-bas j'ai une armée. J'avais pas déjà envoyé des troupes? Non, j'avais pas envoyé de troupes là-haut. Toi, t'as encore deux armées dans l'Empire? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ils sont en train de revenir en fait. Mais J'avais c'est fait horrible, qu'est-ce que c'est que tes les armées déplacer, là? mais c'était les mêmes qu'avant. Pourquoi t'as fait 19 machins? Bordel! Laquelle? Mais l'armée des mecs là, Ah, c'était de nul. les massacreurs là, Ah, où est cette mais armée? voilà. Vous foutez la gueule de qui? J'ai trop envie de l'avoir celle-ci. Ouais. J'ai trop envie de l'avoir en combat en vrai. Les deux en fait, j'ai trop envie de les voir avant la fin du let's play là. Oula, c'est chiant ça. De toute façon, je pense que honnêtement, les mecs sont là, ils vont passer à la casserole. Hein. On va être très clair. Hein. Bon, il se calme Arras là. Je sais pas si on entend sur le truc. Non. Enfin, je sais pas. Non mais cette fois il me bug Avast, il me dit toujours qu'il y a des trucs, mais en vrai si j'accepte il y a un autre truc qui se met, alors vas-y je touche même pas. Chiant. Ben oui, de toute façon en vrai. Oui, je commande, oui. Toute façon on s'en fout. Bon, qui me demande sa main dans lui. Bah, enfin, à un moment il nous aimait plus, puis maintenant il recommence à nous aimer. Complicado, hein. Toute façon, en vrai, dès qu'on va éliminer les 4 armées de nains, là, c'est déjà fini en fait, parce que Bah, y a niveau plus troupes, ils rien. vont prendre. Il y a plus rien. Après, moi j'aimerais quand même tester ces deux armées-là, juste pour le fun de voir un combat réel. Juste pour voir ce que ça donne. Ça doit être vraiment incroyable. Ouais, faut attaquer une grosse ville là. Tu vas attaquer dans les montagnes les vilains avec ces armées-là? Oui. De toute façon, c'est en direction de par là. Hein. Faut juste rejoindre mes terres là. C'était la direction qui était prise. Hein. Zone sanglante. Voilà, là on a un petit. On est là pour attaquer, non? Excusez-moi, il y a encore l'armée de Grom là qui casse les couilles, c'est bon. Grom, il a pas eu le mail comme quoi la guerre était finie, je crois. Bon, ça ne vous dérange pas, j'attaque également les Skaven. Ouais, filme-le celui-là. J'attaque encore les Skaven. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se positionne et prochain tour on les attaque? Ouais.
J'ai deux armées ici, après je peux descendre avec les nains, moi. Avec lui et puis l'autre. Moi je peux aller là éventuellement avec la troisième armée, ouais je peux descendre aussi. Ouais voilà je descends ici. J'en ai avec deux ici. Trois avec lui, ça. Descendre avec toi, j'enverrai la grosse ouais, armée. Ouais ouais parce qu'il a quand même un peu de merde. Ça en fait 2-2 et 4. Voilà, c'est pas mal. Écoute. Des choses à faire ici, parfait. Écoute, je pense que ça va être tout simplement la cure des glingues. Ça va être tout simplement de la démolition. Alors là, ça serait drôle quand même que les nains nous pètent la gueule. Ce serait vraiment un truc de fou ça. Oh, les errants de bord de l'eau, tu les fumes là. Ah non, j'ai les bêtes cailles donc. Arrête un peu de les fumer ceux-là. Mais non, ils sont dans mon chemin. Ils t'ont rien fait. Mais bien sûr que non, mais j'ai encore des armées à ce position là donc. Donc j'en profite. Pauvre enfant, c'est des rebelles. Bonjour. Voilà, j'ai explosé les rebelles. On n'est pas énervé. Bon, ça commence à coûter cher. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Non, rien. Tranquille. Il a dit il va te faire foutre. Hop, on va sécuriser le marais des zombies. On va sécuriser Estali. On va mettre les points. Mission alliée accomplie. Point de compétence. Putain, j'ai 20 points. Moi, je sais même pas combien j'ai de points avec toi. J'ai tellement rien pris en vrai. Je comme tu bourres avec tes trucs, oui. Ouais, parce que c'est dommage, t'as des trucs sympas, mais t'as pas les trucs non plus fous que je voulais en fait. T'as des gros trucs qui sont sympas, mais je peux pas les avoir. Ah, t'as des chevaliers du chaos de Zenesh ? De quoi ? C'est quoi les faux ? Ah, putain, t'as piqué des trucs des à des Norskars. Oui, j'ai voulu un peu de tout en vrai. Putain, c'est quoi les. Je connaissais pas les Frost Hydra, ça crache de la glace. Bah, c'est. Je crois que oui, c'est une démodée, tu sais, parce qu'on avait. Pour les Norse, ils avaient eu leur modée là. Ouais. On avait mis un mode modée pour éviter Norse. D'ailleurs, t'avais un incendiaire de Tsenech. Ah, par contre, j'ai envie d'attaquer. Le tremblé froid, j'adore ça. C'est tellement marrant. Je vais inverser. Ah non, ouais, mais j'en ai aussi là. T'as pas d'autres tremblé froid? Si, en vrai, mais ça. Hop. Hein? Non, c'est bon. Oui, j'ai les tremblés froid. T'en as qu'un seul? Bah, y'en a un dans l'autre armée. Ouais, celle qui est près de moi là. Avec l'autre là. Ah, Karak, le bruit de phare. Yes. Mais non, c'est tout bon, j'ai ce qu'il faut pour attaquer avec toi. Ouais. On va passer le tour et puis let's go. Ouais. Alors là, ça va être chaud. Je pense qu'on va la faire la bataille là en vrai. Bah, bien sûr qu'on va la jouer, attends. C'est clair, mon con. Ça là, va être incroyable. Mais du coup, t'as que 3 armées, je peux pas en mettre une autre avec toi? De quoi? On a que 3 armées sur. Si, je vais ramener celle-ci. Ah, bon, elle est un peu nulle, mais ça fera du nombre et c'est ok. Ouais. C'est quoi que t'as dedans? Ah, les fémirs. C'est les bourrus de fémirs. Les grandes armes, ok. Bon, après pourquoi pas. C'est le déglingue, l'armée. C'est du monstre. C'est du monstros. C'est juste de la déglingue. Hop là, c'est bon, rébellion imminente, comment ça? Où que c'est? Qui ose?
que de la racaille là-bas. Ok, 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 bon, on est bon. Alors, compte, attends, mais si on attaque ça. C'est bon, prochain tour la guerre. La guerre. En vrai, ça doit faire un moment qu'on n'a pas joué de bataille aussi. Bah ouais, ça fait des années-lumière. Donc ça tombe bien. Ouais, le Tsinch. Que vous voulez cet homme, monsieur? Attends, une minute, je t'ai occupé là. Allons défensive, il me donne 3000. On prend. Ouais, moi je joue, de toute façon, il sert à rien. Il s'excite là, ça y est. Il a peur ou quoi? Ouais, parce qu'on descend en fait. Il n'y a pas pour toi. Hein. Mm. 40 mecs d'ailleurs. Ouais. Ça va bien diminuer quand même. Ah, il reste plus grand monde en vrai. Hein. On a quand même fait un bon ménage. On en reviendra à la fin parce que bon, ça sera pas le dernier live. Mais on finira pas les nains en 30 minutes. Mais clairement, oui, il y a eu de l'élimination hein, sur cette campagne. Il y a eu de la racaille. Hein. Donc là, pour ceux qui nous rejoignent, évidemment, 21h, n'oubliez pas qu'on fait le trio. Et évidemment, là, nous allons nous battre contre les nains. On va aller simplement jouer la bataille. Parce qu'il va y avoir un 4v4 sympathique. Et ça va être probablement la grosse déglingue. Je fais quoi, j'avance, t'attaques? On va faire ça. Ok, ouais, je suis rentré max. Ah, il s'est barré, ah non. Ah, mais il n'y avait pas qu'à t'armer tout à l'heure. Attends, je sais pas de check. Il y en a peut-être un qui est parti. Hein. Bah ouais, je crois bien. On dirait. Sur un 4, peut-être oui. Non, il devait y en avoir 4, oui. Bah il est où le quatrième? Bah il a dû descendre, je pense. Il est con quoi, sale bête. Mais frère, pour se garer avec toi... Bah t'attaques, la ville, je sais pas, où le mec devant. Ouais bah je vais l'amener en marche forcée, mais j'ai pas le choix. Ah ouais, putain t'étais loin en fait. Ouais. Du coup, bah c'est la guerre. Ah, c'est mes et refeuilles vertes. Une grosse armée. Enfin, les deux plus fortes en fait. Par contre, est-ce qu'on demande à quelqu'un ou est-ce qu'on s'en branle les couilles? En vrai, on s'en branle les couilles. Hein. Demandez quoi? Je suis déjà en guerre contre les deux, non? Ah, mais je suis pas en guerre moi. Quoi. Oui, oui, non, mais attends, je suis en train de réfléchir, mais. Je vais demander à quelqu'un d'en jouer en guerre parce que. Qui se les fait un peu chier. Attends. Je vais nous mettre tous les deux dedans. On va demander, peu importe. Hein. Ok. Voilà, parfait. Je vais te demander, monsieur, où est-ce que t'es? Hop. Bonjour Cédric, j'aimerais bien que tu rejoignes la guerre entre Piras et Karak. Est-ce que ça te dit par le plus grand des hasards? Voilà, voilà, vous me filez combien? Je veux. Ça fait à peu près 14 fois qu'on s'est fait évidemment arnaquer par les nains. Je veux 400 000, c'est bon ou pas? De quoi? Je veux 400 000. Oula, on n'a pas de ça, monsieur. Hein. On n'a pas tout cet argent. Oui. T'as combien? 1 million? Non, j'ai 689 000. En vrai, c'est pas loin.
Je te ferai un don d'un million à la ah, fin de ta game. Ça c'est beau ça. Je pense que ça sera dans mes cordes. Ok. Bah, je crois que mon tu t'as rejoint la guerre du coup? Oui, c'est bon, j'ai rejoint la guerre. Mon tour est fait aussi d'ailleurs. Ok, ok, bah écoute, on va enclencher. Hein. Je pense. Ah, c'est bon, je fais mon tour aussi. Le bâtiment, c'est parfait. Oh, t'as un rebelle, je sais pas trop. Oh putain, on la gagne, mais de justesse, t'as vu? On la joue ou on fait quoi? Bon, on la joue, non? Ouais, vas-y. Pour le fun, vas-y, c'est pas longtemps qu'on a pas joué de bataille en plus. Ouais, ça fait longtemps. Putain, mais t'as du seigneur légendaire en plus, toi, t'as trog et machin. Bah oui, c'est mes deux plus forts de toute façon. Puis non, mais de toute façon, c'est très bien que j'avais déjà depuis le début. C'est les deux plus forts. Le trog n'est pas à fond. Ça, c'est, ça va. Les mecs du chaos là sont pas à fond. J'avoue que c'est bizarre quand même que ceux sont pas à fond alors que les mammouths et tout sont à fond. Bizarre, je les ai en même temps. Peut-être non. Ça dépend. Ouais, je pense que ça dépend fait. Pour qui se bat. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que ça t'a dû faire plus de kills comme je te donnais le souvent. Moi, pareil, j'ai pas tout le monde en or. Donc, ouais. Bah, eux, ils ont presque rien en vrai en or là. Enfin, ils ont tout en or, mais c'est que grade 1 quoi. C'est un peu bizarre. Alors, soit ils ont bourré, je sais pas, c'est un peu. Et c'est des armées pas. Enfin, c'est de bonnes armées, mais c'est des armées qui ont pas beaucoup joué, on dirait. Ouais. Ah, c'est pas plus mal d'un côté parce qu'un or grade 3. Mais je pense qu'ils ont pas beaucoup joué parce que ça fait un moment qu'ils sont là, n'empêche. Un nain grade 3, pardon. Ouais, je sais pas. Après, comme t'avais déjà dit, ils étaient un peu bloqués avec tout le monde. Hein. Bah, ça fait un moment qu'ils sont là. Du coup, on a peut-être falloir que tu te déplaces un peu par contre parce que je crois que t'arrives dans un endroit de merde. À gauche. Non, c'est... Attends, c'est moi qui arrive ou c'est toi? C'est moi qui est sur le terrain et toi t'arrives dans. T'as ah oui, t'arrives armée... dans. Ah ouais, j'ai merde là. Derrière là. Putain, oui. Je vais essayer de me mettre derrière au milieu, voir ce que ça donne. Ouais, ouais, je vais me mettre au milieu aussi. Bon, j'ai un petit mortier tremblé froid, ça va être rigolo évidemment. Ok, je peux mettre ici. Fait longtemps qu'on sait pas fight en vrai. Ouais, je te dis, ça fait super longtemps. Oh, putain, juste parce que. Oh, c'est une blague. On a même pas eu de bataille contre Grom parce qu'on l'a explosé donc 2 minutes 50 la deuxième armée, ok. Après ils vont s'attendre aussi hein, donc ah ouais, tranquille. 2 minutes 57 la tienne, ça fait beaucoup quand même. Ouais ouais mais elle était mal placée la mienne donc j'étais un peu obligé de toute façon. Ouais bah j'en ai une à 1 minute du coup, ça va. 3, ça... Par contre toi t'as rien toi sur le terrain là. Ah c'est que celle des Fimir là et des autres là. Non, mais mes armées ont pas grand chose. Ah non, c'est la celle avec les hydres. Ah ouais, non, mais on aurait cru. T'as pour toi, t'as 20 unités là? Ouais, j'ai 20 unités. Ah putain, on pourrait pas. Il y a de la cave là aussi qui est planquée. Ouais, ouais ok, d'accord. Ok. La caméra était pas pourrie ici. De quoi? Non, le positionnement de la caméra était un peu pourri ici, donc je l'ai remis bien. Ouais. Oh, les nains. Ah oui, je peux. C'est vrai que je peux avoir un mec de corne là. Je sais pas comment c'est pour le démon. Là. Bah, le chien là. Non, je suis un démon de vocation. Ah, le verre de sang? Ouais, je crois que c'est ça. Moi j'ai une créature des tourbières apparemment. Ouais c'est les espèces de crapauds cheval bizarre. Hein. Crapaud cheval, je sais pas ce que c'est un crapaud cheval. Les trucs que j'ai utilisés au début là. Ah l'espèce de triton là. Ouais. Crapaud cheval. Par contre le truc. Je sais pas, c'est les crapauds qui servent de cavalerie. Oui, je vois. Les froids, il a pas une grande portée en fin de compte. Je crois qu'il est plus loin de portée que ça. Tu vois. J'ai 10 mètres de plus que les nains. Ah non, les nains ont même beaucoup plus de portée. Ils ont 628 mètres. Putain, c'est perdu. Pourquoi c'est perdu? Ils ont plus de portée que nous. C'est fini, Cédric. Il n'y a plus aucun espoir de victoire. Jamais. On fait
fait un micro accéléré ou putain tu t'es fait exploser un truc. J'entends un bruit mais c'est quoi? Je sais pas mais il y a un truc qui t'a explosé. J'ai rien pris comme dégâts. Si, il y a une de tes unités qui a pris. Je sais pas ce que t'as pris. Parce que t'as pris là. Ouais, mais j'ai pris un truc. Attends, mais juste en pause, on va fight hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là ce qu'on a? Je crois qu'ils ont bien visé, ils ont dû te mettre un coup de canon. Ouais, je sais pas, trop mal. Canon des nains. Ça, c'est un légendaire lui. Bah, je vais à droite, moi, écoute. Ah, oui. Bah, attends, parce qu'on a pas toutes nos troupes encore. Ah, tu veux qu'on attende? Ouais, on peut attendre, ouais, on a le temps, ils sont pas à portée donc. Ok, ouais, attends. Pour 30 secondes, on a le temps. Ouais. Les autres devant, je vais reculer un truc. Puis après ouais ça fonce dans le tas hein. Sûr qu'on n'arrive pas à la porter. De quoi? Attends. Comment ils ont fait pour avoir la portée s'ils ont enfin, pas la portée? C'est une capacité je pense qu'ils t'ont mis un coup de Zeuf Bar. Zeuf Bar? Ouais tu sais le coup de canon en ligne des nains. En capacité. Il doit avoir d'un maître ingénieur dans l'armée je pense. Ou lui peut-être. Missile infanterie peut-être c'est ça. Je sais pas. Peut-être lui, je sais pas. On sait rien en vrai. Ouais, parce que. Ils ont que le mec là en infanterie là. Si c'est peut-être lui là, c'est le mec en qui vole là. Ouais, ça doit être lui, ça doit être un maître ingénieur. Ouais, je sais pas trop ce que c'est ça, mais. Green Blue. Bah écoute, moi je suis prêt à charger. Comment on sait que c'est un maître ingénieur, c'est marqué où? Non mais il doit y avoir un personnage dans l'armée. A mon avis c'est des projectiles performants des armures, prendre sa poitrine en armure. Ouais bon oui c'est je pense. Probablement ce gars là. Ça part. Oh, ça putain, part merde. Attends mais juste en pause, faut juste que je remets bien tout ça là parce que je t'avoue qu'il y a beaucoup de bordel là. Mais non. Impossible. Oui, impossible comme tu. Comment tu les prends tous d'un coup pour les déplacer? Tu fais un groupe? Ah, c'est pas que. Attends. Faudrait que t'appuies dessus? Tu fais avec Shift, ou je sais pas, ou tu fais. Ouais, j'ai fait Shift, comme j'ai fait. Ou tu fais Ctrl G pour le groupe? Ouais. Presque fini. Tac. Ouais. Juste un truc avant, c'est quoi, c'est ma honte à la fin. Une sacrée armée, hein. Ah, c'est définir ça. Qu'est-ce qu'il faut là, ce coup là? Ah, ouais, j'ai définir aussi. Ça. Bon, c'est bon. C'est bon pour toi? Hop. Pour les nains, vont probablement se faire corriger. Hein. Bon, allez, c'est bon. C'est parti? C'est parti. Eh ben, allez, bonne chance à tous. Cherche pas comme un bourrin quand même avec les gros parce qu'il y a beaucoup de canons. Ouais, je vais avancer gentiment, je pense. Il vaut mieux que l'infanterie ou que moi je prenne que. Ouais, bah que les mammouths. Non, les mammouths, de toute façon, ils partent après. Je fais déjà venir les guerriers avant. Les mammouths, ils partent toujours après. Parce qu'il y a beaucoup de. Ouais, de toute façon, ils vont les focus, donc ça sert à rien. Beaucoup de mammouths de canons donc là la cave et les mammouths juste le canon je pense qu'il va peut-être partir
possible avant. Pour qu'il puisse tirer un peu. Moi je vais le mettre là à droite. C'est vrai que t'as des filmiers aussi toi. Ouais ouais j'ai quelques filmiers. T'avances plus là? Si si j'avance parce que là je vais me faire tirer dessus donc ça va avancer. J'attendais tout le monde, allez ça part. Ouais, okay. Mal quand même. Chargé, ouais bah il y a beaucoup de canons donc c'est normal. Le temps qu'on monte ça va être un peu la déglingue. T'as tes héros aussi derrière, n'oublie pas. Je sais, mais de toute façon, il va vite, oui, donc je fais exprès. C'est parti. J'envoie la première roquette de Tremblay Froid. Badaboum. Donc ils avancent un peu vite. Chargé. On est à ton côté avec les héros. Parce que toi t'as plus de besoin d'aide je pense de l'autre côté. T'as un mec derrière, ah c'est l'autre mec. T'as de la cave aussi, n'oublie pas derrière. Bah ouais, je sais. Je crois qu'ils ont pas forcément de tireur là en fait. Hein. Bah c'est plutôt les canons, ouais, ils ont pas tant de tireurs que ça. Non mais y a pas trop de canons de mon côté en fait. Je peux charger hein. Ah ouais, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. De toute façon, je vais y arriver hein, sur leur canon maintenant que je suis au corps à corps. Chaos Warriors of Khorne! Destroy them! Blood for the Blood God! Chaos Warriors! Army of the Dark Gods! Warriors of Khorne! Hop là, Gavla qui arrive. Hop là, ça lance l'invocation. Of course!
C'est vraiment de la chasse à l'homme là. Tout simplement tragique. C'est de la chasse à l'homme. Là. J'ai même pas eu le temps de charger, t'avais déjà entamé la deux. C'est quoi les vieilles bêtes bizarres là? Ah, c'est quoi? Des bêtes, je crois pas. De quoi? Une espèce de gros bêtes bizarres. Bah, c'est mes. C'est mes bêtes. Le problème, ça va être les autres en l'air là. Ça, par contre, faut les péter. J'ai rien moi pour les péter. Hein. Allô? 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 Ah, je sais pas. Je me suis monté. Ah, ok, il arrive. Ouais, par contre, il arrive. Les deux. Le canon tire sur eux. C'est lui qui va pas le côté. Quel qui peut les chasser, ça y est. Flames to darkness. Mistress of whispers. Ruination. Monsieur. Bonjour madame. J'arrive, hein. J'arrive tout le monde. Et t'inquiète pas pour les mecs volants, dès qu'ils vont perdre, ils sont obligés de se barrer. Et ça va tarder à perdre. Bah, ce que je veux, hein. Putain. C'est bien sûr. Comme c'est qu'ils sont lents. C'est un peu chiant. Essaye de casser la gueule à machin avec Trog. Ouais, attends. Il reste que lui. Ouais, je vois ça. Le reste il se barre. Et là c'est bon, la bataille finie. Ouais, il est en train de se faire toute la gueule en fait. Un petit boost là pour finir. Allez, Trog, boost à fond. Non, je le buff un peu. Je sais, je l'ai tout d'un buffé moi. Je vais même pas attaquer. Hein. Ouais, oh, c'est quoi ça? Il a fait une allée fétide là. C'est trop que ça. Oui, je sais. Je savais pas que c'était ça. Bon, allez, bon. Bon bah. On les a tout simplement déchirés. Ouais, voilà, bah, j'avoue que. Franchement.
à peu près sur un mammouth de ce que je vois. Bon, les loups, ouais, la première armée, ça va, j'ai pas pris trop cher, j'ai perdu un peu plus dans l'eau, mais c'est pas grave. Il a l'air tout à fait ok. On les a tout simplement pulvérisés. Putain, ouais. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pas de, ils ont pas de brise-fer en fait. Et je pense que c'est des armées qui sont depuis un moment en fait, donc ils en ont peut-être pas, ouais. Ça, ça manquait un peu de puissance au niveau des nains pour le coup de résistance. Ça se sentait. Il faut dire qu'on n'est pas venu pour rigoler, quoi. Mmh. Le tremble froid, j'ai pas vu, il a fait combien? De quoi? Ton tremble froid, il a fait combien? 158 kills. Oh, c'est pas énorme, hein. Je pensais qu'il aurait fait. Ah, il était très split, en vrai. S'il y avait des maxi blobs, ça aurait fait beaucoup plus, mais. Mais c'est ok, en vrai. On les a défoncés. Tu prends la ville ou je prends? On reprend là si tu veux. On l'a fait ou pas celle-là? Non, non, je pense pas. Ouais. On s'en perd rien là. Ah non, ça c'est Trog, mais il y a une autre armée encore à battre à côté. Ah non, mais ils vont mourir les deux. Non, l'autre en dessous de la ville en dessous. Ah oui, oui, oui. Oui, il y a l'autre, oui, c'est sûr. Et du coup celle-là, je pose la question si on la faisait ou pas. Je pense qu'on va gagner en réseau, il y a de la merde. Ouais. Comme on a dit, ça va être le même tarif. Tu la prends ou pas? Oui, vu que c'est la même province. Ok, je la donnerai alors. Faut que tu me la donnes du coup. Ou alors tu la payes et je la reprends. Ouais, ok, quand je la... Ouais, je la pille, je la reprends alors. Tu la reprends, pardon. Yes. Vas-y. Yep. On a tué 3 signes légendaires quand même dans la balade. C'est bien. Seeking slaughter. Ah, je l'ai trouvé, Grand Brendal. Il est là, le con. C'est bien marré, alors. Il était descendu. Il a senti la merde arriver. Ah bah, je sais. Il s'est dit où, il y a des problèmes à ma porte. Chieftain of the tribe. Overrun the world. J'aimerais bien voir quand même les deux copains là. Ok.
c'est bon. Dernier tour, et puis on s'arrêtera là. Ouais, ouais, on a payé après. Il faudrait que je reprenne le stream pour le trio. Ok. Évidemment. Et ouais, l'attaque elle va être assez violente. Hein. En vrai, les nains ne vont avoir beaucoup de mal à tenir. Il y a tellement d'ennemis sur leur dos. On est 47 000 sur eux, c'est chaud ma gueule quand même. Il a mis encore un terme à l'accord commercial. Tu m'énerves toi. Tu m'exaspères, sale bête. Tu m'exaspères. Ah non, mais attends. C'est bon, arrête de rompre l'accord commercial. Oh, il attaque là, ça repart. LOL. LOL, il s'est mis devant toi, mais quel bouffon. Il est complètement con. Mais LOL. Il s'est foutu devant toi. Tout ça pour se suicider. Non mais n'importe quoi. Abattez-le. Abattez le merde! Oh, c'est quelqu'un m'a. Il y a tous les scans qui reviennent. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Brigand Bernoff. Refuser la. Ah non, c'est toi? Ouais, tu peux refuser, tu peux refuser. Oh, on s'en fout, je suis bon. Il attaque Skarbrand, je crois, en fait. Tu m'as pillé, salopard. T'as osé me piller. Non. Oh putain, je perds 3 trucs quand même. Attends-moi, je peux venir. Ouais. On envoie trop lui-même. Il est loin ? Non, on est à côté. On voit trop aussi. C'est barré. Attendez-moi peut-être cette fois. Essaye d'aller près de lui, je peux l'attaquer encore. Je peux me. Non, pas l'attaquer, je pourrais me mettre dans la range. Ah, j'ai pas la range, moi, pour aller l'attaquer. Je vais me mettre dedans, est-ce que j'ai assez. J'ai assez. S'il se barrera pas, ça va pas. Rattrapez-le. Je perds rien. Allez, salut. Hop là, ça dégage mon con. Attention, je vais prendre la ville. À moins que c'est pour toi celle-là. Laquelle? Dans les montagnes. Dans Zakil? Non, non, la personne. Zaragzil, ouais, ça c'est chez moi. Non, Karim, mais non, en fait, l'autre après elle est en. Non, ça c'est chez toi, ça. Ouais, l'autre elle est au-dessus, en fait. Ouais, donc c'est chez moi. Ça, vous pouvez prendre dessus. Territoire. Hop. Tu vas prendre le Zarak Kill là, je sais pas quoi. Oui, oui, c'est la même province, je la prends. Ah bah oui, merci. Ouais, bah je suis venu avec toi derrière. Il y a ça. Je
les ai déchirés. Il y a également ces braves gens là qui vont également finir déchirés. Ils vont évidemment reculer parce que sinon c'est pas drôle. Oh putain de merde. Je vais peut-être pas aller les chercher. Cédric, il y a la police. Non, je, il n'y a pas de problème, mais il y a un peu la police. Ça veut dire ? Regarde mon ping. Ah oui, effectivement. Il y a 4 armées. Il y a un peu la police. Mais... Ils viennent nous arrêter. Il y a la police du fun. Arrêtez de détruire le monde, merde! Hop. On va passer le tour, on va s'arrêter là. Ouais. Monsieur, je suis à 780 000. Ouais. Le chèque arrive bientôt. Ah, magnifique. Ok, bah oh, écoute. Quoi, tous les mecs là de. C'est qui ça? C'est les. Ah, ça? Ah, ouais, c'est les morses. Où ça? Clan morse. Tu vois ça où? À droite, clan morse, les rouges là. Près de des nains en bas. Oui, 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 il y a clan morse, oui. Ouais, d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que les nains ont la même couleur que Tsenesh. Oui, c'est quasiment le même, oui. Donc c'est un peu chiant de différencier en fait. Ah, mais je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas pourquoi il a défilé au milieu des nains là, je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Bah les nains ils restent que la partie là, dans la plaine là, un peu dans la montagne vite fait. Ouais, il reste la grande capitale nain, et en fait ils sont très très éparpillés donc. Ouais, je vois ça. Il reste une ville ici, ouais, il y a deux. Quatre villes ici. Là il y a la capitale nain et je suis dessus d'ailleurs. Ouais, j'ai pas vu les villes là. Il y a une ville ici, puis ouais, toute la partie là. C'est tout simplement la destruction. C'est bizarre qu'ils sont. Comment que ceux qui sont. Ils se sont fait bouffer comme ça Bah, Tsinj qui est remonté, il y avait Nurgle et tout ça. Ouais, mais ils ont récupéré des villes abandonnées ou quelque chose comme ça ou... Parce que Béchafel, bah, soit ils s'est changé des villes. Jouer les a pris. Ouais, je pense qu'il y a eu l'échange de ville là quand même. Ouais, c'est un peu étrange. Je pense qu'il s'en est donné, il en a donné au prince démon aussi parce que le prince démon il les a pas pris comme ça. Hein. Les... Genre Essen, Matorka, tout ça. Ils sont en alliance avec le prince démon. De quoi? La légion démon là. Ils sont avec nous. Et ils sont, les légions du chaos, ils sont pas en guerre contre lui. Non, ils sont avec nous, les légions du chaos. Oui, mais ils sont pas en guerre contre les nains. Je crois pas qu'ils aient suivi. Non, parce que, bah, en fait, j'ai demandé à Nurgle pour la guerre, donc ils ont personne à suivre en fait. Ah, même pas. Ah, ok, je pense que vous avez suivi. Okay. Parce que j'ai été chercher chez machin. Il y a tes vassaux, ils ont dû te suivre, mais. Enfin, Moratir a dû te suivre. Ouais, mais Moratir vient pas réfléchir. Les autres, ils ont pas. Ça les intéresse pas plus que ça. Ouais. À part Sinch qui doit être en guerre contre, mais c'est tout. Ouais, il est en guerre contre Moratir, il est en guerre contre les. Contre tous les démons qui restent, donc. Scarbrand, Kairos, Tamurkan et Gugat. Ils ont guerre contre nous deux, contre les nains du chaos, contre Moratil, contre les Skaven, contre la faction de Tsinch au-dessus, puis deux Norse. Okay. Donc autant dire, il a du monde sur le coin de la gueule. Je vous le confirme.
Ok, on s'arrête là du coup. Oui. Je suis la bête. Ça marche. Hop. Bah écoutez les gars, merci de m'avoir regardé en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour la suite de cette campagne. Peut-être la fin, parce que là les nains, ils sont quand même un peu dans la sauce, hein. On va se mentir. Ouais, effectivement. Donc peut-être la fin des... Des haricots pour ces nains. Des haricots en effet, parce que là ça commence à être tout de même assez tendu de survivre face à nous. Il est clair et net que ça va être un peu compliqué pour eux. Bon. Merci à vous, je vais reprendre dans un instant le stream, donc ne quittez pas. On va aller sur le trio. Ouais, je te dis quand je coupe, et tu reprends. Yes. Bah, je coupe maintenant. F5, les gars. Tout de suite.